Bonjour et bienvenue sur ma chaîne لنتعلم ونرتقي. سأقوم بشرح هذا الدرس باللغة العربية لكي يتمكن الجميع من فهمه. Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle leçon de grammaire, le genre et le nombre. Unité didactique 2, la vie culturelle artistique. Semaine 3 et 4, pages 60 et 61 de notre livre Le Nouvel Espace de Français de la 4e année. L'objectif de cette leçon est reconnaître le nombre et le genre des noms. هيا أعزائي خذوا الصفحة 60 باج 60 وسنقرأ معا نص فقرة جوبسيرف اي جو ديكوفر. مريم إدريس أم لا ليكتور. Ils achètent des livres et des bandes dessinées. Ils participent souvent à des ateliers de lecture et de théâtre. Mariam Idriss aime la lecture. يعني أن مريم وإدريس يحبون القراءة. Ils achètent des livres et des bandes dessinées. يشترون كتبا وقصصا مصورة. Ils participent souvent à des ateliers de lecture et de théâtre. غالبا ما يشاركون في ورشات القراءة والمسرح. نمر الأسئلة. De qui parle le texte? عن من يتحدث النص؟ Le texte parle de Mariam إدريس. النص يتحدث عن مريم وإدريس. À quoi participent les deux enfants? يعني فيما يشاركون هاد الطفلين. Les deux enfants participent à des ateliers de lecture et de théâtre. Combien y a-t-il de phrases dans le texte? يعني كم من جملة لدينا في هذا النص؟ Dans le texte, il y a trois phrases. Telat jumel. L'oula min Mariam il a lecture. Tania min il a dessiné. Ou telta min il a théâtre. Relève dans le texte les noms communs et écris-les. يعني نحاول نستخرج من النص les noms communs. Les noms communs sont lecture, livre, bande, atelier, théâtre. هادو كلهم أسماء مشتركة. Devant quel mot peut-on écrire un ou le? يعني أمام أي كلمة يمكن لنا نكتبو un ou la le. On peut écrire un ou le devant les noms singuliers. يعني أمام الأسماء المفردة. Relève les noms communs qui représentent une seule chose, un seul objet. غنحاولو نستخرجو الأسماء اللي كتمثل لنا حاجة وحدة. عندنا lecture, théâtre. Comment les reconnais-tu? كيفاش قدرتي تعرف؟ À l'aide de son déterminant. Relève les noms communs qui représentent plusieurs choses, plusieurs objets. هنا غنستخرجوا الأسماء اللي كتمثل لنا أشياء عديدة. Les noms communs qui représentent plusieurs choses, objets sont livre, bande, atelier. Comment les reconnais-tu? يعني كيفاش عرفتيها؟ Toujours à l'aide de son déterminant. نمر القاعدة. On reconnaît le nombre d'un nom à l'aide de son déterminant. Les noms devant lesquels on peut mettre un, une, le, la et l'apostrophe sont des noms singuliers. Exemple, un festival, la fête. Les noms devant lesquels on peut mettre les, des,
sont des noms pluriels. Exemple, des invités, les cadeaux. On reconnaît le genre d'un nom à l'aide de son déterminant. Les noms devant lesquels on peut mettre le « un » sont des noms masculins. Exemple, le défi, un livre. Les noms devant lesquels on peut mettre la « une » sont des noms féminins. Exemple, la cérémonie, une festivité. Yannina, le nombre d'un nom yéimetikoun singulier, moufrat ou le pluriel, jema. Au singulier, quand tu as fait le déterminant dialo, il est qu'un. Qu'bel menno, un, une, le, la et l'apostrophe. Au pluriel, quand tu as fait il est qu'un. Qu'bel menno, les ou la, des. Mais le genre d'un nom qui connaît un nom masculin li huwa mudhakkar ou féminin li huwa mouannet. Le masculin qui connaît déterminant dialo ya imma le ya imma un, mais le mouannet qui connaît déterminant dialo ya imma la ya imma une. دابن مرو الصفحة 61 وسننجزو معا تمارين فقرة جمونتخين. Premier exercice. Classe les groupes nominaux suivants dans le tableau. On a les noms masculins, on a les noms féminins. Qui fait que je vous disais, on a les noms masculins qui sont le déterminant de l'homme, y'a un, y'a le, ou les noms féminins qui sont le déterminant de l'homme, y'a la, y'a une. Un écrivain. Madame, un, il l'a ou a, non. Masculin. La chanson, madame la, iden, un nom féminin. Le cinéma, nom masculin. Le théâtre, nom masculin. La danse, nom féminin. Une actrice, nom féminin. Deuxième exercice. Relie le déterminant au nom qui convient. نغنسل بخط كل déterminant بالاسم المناسب لي. عنا le, les, la, une. وعنا fête, chanson, festival, histoire. إذن le, festival. Les, fête. La, chanson. Une, histoire. Troisième exercice. Classe les groupes nominaux suivants dans le tableau. Hna les noms singuliers et les noms pluriels. Kif ma sbaq w qult bi anna les noms singuliers qui kounou les déterminants dialhom ya imma un, une, le, la et l'apostrophe ou les noms pluriels qui kounou les déterminants dialhom ya imma les ya imma des. Les spectacles. Madame les, il a un nom pluriel. La salle. Madame Andila, il a c'est un nom singulier. Un poète. Nom singulier. Les contes. Nom pluriel. Le conteur est un nom singulier. Des festivités est un nom pluriel. Quatrième exercice. Entoure les noms singuliers et encadre les noms pluriels. يعني غنقومو بالإحاطة الأسماء المفردة وغادي نقومو بتأطير الأسماء اللي في الجمع. A. J'ai rangé les objets artistiques dans une armoire. هنا عندي les objets. وهو اسم جمع. Un nom pluriel. إذا غنقوم بالتأطير ديالو. وعندنا une armoire est un nom singulier. إذن غادي نحيطو. B. Nous avons réalisé un album sur la vie culturelle artistique. Un album est un nom singulier. إذن غنحيطو. La vie est un nom
singulier إذن غنحيطو. C. Je collectionne des timbres dans un album. هنا عندي des timbres est un nom pluriel إذن سأقوم بتأطيره. Un album est un nom singulier إذن غنحيطو. دابا نمرو لفقرة je m'évalue. Premier exercice. Complète les noms avec les déterminants suivants. Les, le, la, des, une et l'apostrophe. A. Journaliste présente émission. Le journaliste présente des émissions. Les N journaliste est un nom masculin singulier. Émission est un nom au pluriel. B. Téléspectateurs sont joyeux. Les téléspectateurs sont joyeux. C. École organise activité culturelle. L'école organise une activité culturelle. Grande actrice est accueillie chaleureusement. La grande actrice est accueillie chaleureusement. Deuxième exercice. Recopie chaque mot à la bonne place dans le tableau. هنا غنوضعوا كل اسم في المكان الصحيح ديالو. Des activités est un nom féminin pluriel. Le musée est un nom masculin singulier. Un art est un nom masculin singulier. La musique est un nom féminin singulier. Les lecteurs est un nom masculin pluriel. Une scène est un nom féminin singulier. Les spectacles est un nom masculin pluriel. Les soirées est un nom féminin pluriel. Très bien. J'espère que vous avez bien appris cette leçon. N'oubliez pas de me laisser un pouce like si vous l'avez bien aimé. Merci et à la prochaine.